Bonsoir, Seigneur Tyranno. Ceci n'est pas un théâtre, c'est un moulin à vent, mais des plus utiles, celui-là. Nous avons à livrer une bataille au mauvais goût. Nous avons à instruire le peuple, à lui donner le goût de la science, de la philosophie, de la justice. Et plus encore, le goût de la liberté. 4 siècles après Cervantes, la compagnie Bacchus insuffle une nouvelle vie à son Don Quichotte. Le public d'Avignon en a été désarçonné. Le spectacle a été très très bien accueilli. Peut-être quelques spectateurs ont été très surpris parce qu'on n'est pas dans la farce épique de Don Quichotte et Sancho. Il y a une lecture qui est très singulière, qui est très particulière, puisque Jean Pétremont a voulu mettre en exergue cette police inquisitrice religieuse du XVIIe siècle. Parce que quand je lisais les stances, les discours de propagande de Daesh, j'étais très surpris de voir la similitude absolue avec les grands inquisiteurs Bellarmine, Torquemada et leurs discours de l'époque, donc il y a 4 siècles quand même. Dénoncez-les, les morts, conversos, juifs, perfides dénonciateurs du Sauveur, coupables. Donnée le lendemain de l'attentat de Nice, la pièce a saisi aux tripes. Violent télescopage avec un passé que l'on aimerait révolu. Intolérance, extrémisme, le fantôme nauséabond de l'Inquisition reprend corps. Je suis tous les jours troublé, bien sûr, d'avoir à présenter cette violence-là, mais c'était vraiment saisissant, effectivement. Les gens étaient... On était mal, voilà, on était mal. Même si on savait qu'on faisait quelque chose de fort pour l'histoire, mais on était mal. Plus qu'un spectacle, ce Don Quichotte est une gifle. De celle qui vous remet les idées en place.